là 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 là, c'est super. Loïc passe en force. Il arrive devant les buts, il s'apprête à tirer et il ralentit. Mais que se passe-t-il? Loïc semble terrifié, il ne sait plus quoi faire. Il s'arrête. Le goal semble le déstabiliser. Voyons voir de plus près. Effectivement, le goal semble être un lézard. L-O-I-C. Loïc! Loïc! Allez! Loïc aurait-il peur de lui? Va-t-il tirer? Oui, oui, il tire. Mais que se passe-t-il? Il tire les yeux fermés. C'est pas le but. Déception totale. Nous nous quittons donc sur une égalité de 1 partout. Bonjour, vous êtes avec Clément sur NTM News 974. Donc aujourd'hui, nous avons Loïc avec nous, qui a raté son but décisif contre l'équipe adverse. Et pourquoi avoir peur des lézards? Je sais pas, moi. Les autres, ils ont plein de phobies bizarres aussi. Hein. Maintenant, on est avec l'entraîneur de Loïc. Donc, qu'avez-vous à dire sur le match? En vérité, je suis pas déçu, mais je suis pas content. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Sushi. Sushi. Que faites-vous en rapport avec le match? Moi, je suis la couturière. On m'a appelée exprès d'Angleterre pour coudre les costumes des footballeurs. Je suis venue, quelle catastrophe! Ils avaient des trous partout dans leurs shorts. Quelle horreur! Ça va, c'est le lézard qui vous donne tant d'émotions. Techniquement, je dirais que dans le théorème de Pythagore multiplié par pi, je dirais que un lézard, c'est un lézard. Mais qu'est-ce que fait un lézard dans une équipe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait tellement de grosses fesses que j'ai retrouvé 3 trous dans son short. Vous le croyez? Pas moi. Et ouais, mec, tu t'attendais à quoi? Hein? Un lézard, c'est un lézard, ça fait pas peur, hein? J'aimerais dire à ce lézard qu'il retourne d'où il vient, ou alors qu'il s'achète des shorts plus grands. Merci, Frédéric. Ah!